Grand angle consacré ce soir à la semaine des lycées français du monde. On en parlait il y a quelques minutes avec l'ex-député français Sergio Coronado. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Karim Kattan, merci d'être avec nous. Vous avez été élève au lycée français de Jérusalem et vous publiez votre premier livre, Préliminaire pour un verger futur. C'est aux éditions Elisade, édition tunisienne que l'on salue parce qu'ils sont de fidèles téléspectateurs de TV5 Monde à vos côtés. Et avec nous aussi Inès Janicijevic, merci d'être avec nous, bienvenue. Merci. Vous avez obtenu votre baccalauréat en 2015 au lycée français de Belgrade. Vous êtes actuellement en troisième année de bourse excellence major en L3, licence 3, on imagine, troisième année de licence. C'est ça, oui. De droit à Paris 1, c'est la Sorbonne. Oui. C'est bien cela. Karim Kattan, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord pour commencer, quels souvenirs vous gardez du lycée français de Jérusalem ? Essentiellement de bons souvenirs. C'était un endroit assez particulier et assez spécial. Parce que donc, le lycée français de Jérusalem concentrait en fait des profs juifs israéliens et des élèves essentiellement palestiniens. Mmh. Donc vous pouvez imaginer, c'était un endroit vraiment compliqué en fait. Il se trouve dans la partie est de Jérusalem. Il est dans la partie est de Jérusalem, mmh. rue des Prophètes, ça ne s'invente pas. Mmh. Et donc c'était une espèce d'expérience de la coexistence qui ne se passait pas forcément toujours très bien, mais qui, bon an, mal an... Pourquoi elle ne se passait pas très bien lorsque vous abordiez certains sujets d'actualité ou des cours d'histoire ? On ne les abordait pas. En revanche, on était dans l'actualité. En fait. Mmh. Moi, notamment, j'étais adolescent pendant la deuxième intifada. Mmh. Donc, c'était un moment extrêmement compliqué. En 2001. À partir de 2001, mmh. Beaucoup d'élèves palestiniens ne pouvaient pas venir en, fait, en cours. Les profs avaient d'autres problèmes. Enfin, il y avait vraiment eu pas mal de complications. On avait eu assez... ça a été assez fameux. On a eu un attentat... juste devant le lycée. Mmh. Alors, j'y étais pas à ce moment-là, mmh. mais... Et comment vous faisiez-vous pour vous rendre au lycée ? C'était facile, c'était compliqué ? C'était compliqué. Comme je suis palestinien et que je viens de Cisjordanie, j'ai le passeport palestinien, donc je n'ai pas le droit de me rendre à Jérusalem. Israël mmh. me l'interdit. Je devais y aller clandestinement, ce qu'on réussissait parfois et parfois moins. Mais je dois reconnaître que le lycée a été extrêmement rigoureux et présent pendant cette période. On voit l'importance donc de ces établissements dans les zones de conflit. Inès Janicijevic, même question. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce passage au lycée français de Belgrade ? On précise à la différence peut-être de Karim Kattan que vous, vous avez aussi, il me semble, la nationalité française. Oui, ce qui n'est pas votre cas. Vous, Inès, vous êtes serbe. Racontez-nous ce que vous avez, comment vous avez vécu cette scolarité au lycée français de Belgrade. Honnêtement, c'était très bien comme expérience. Je suis venue au lycée, en fait, je suis venue au collège français en cinquième. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'école française de Belgrade. Mmh. Et c'était vraiment une très belle expérience. C'était un petit lycée et mmh. collège. D'ailleurs, toute ma promo, on était 28, je pense, toutes les filières comprises. Mmh. Et on était vraiment très proches entre élèves et avec mmh. les professeurs. Et on a participé à beaucoup de projets extrascolaires, aux mmh. débats. Ils ont vraiment insisté sur ces projets pour voyager, pour faire des débats. Et pour moi, c'était une très belle expérience. Vous parliez déjà français en classe de 5e ? Vous l'avez appris non. à partir de quel âge ? À partir de l'âge de... J'ai essayé d'intégrer le collège à l'époque, en sixième. Mais bon, je n'étais pas acceptée parce que je ne parlais pas français. Mmh. Du coup, j'ai réessayé l'année suivante et je ne parlais toujours pas français, mais ils m'ont acceptée en cinquième. Alors vous avez fait votre scolarité dans une période hors conflit, mais Belgrade a connu les bombardements de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Oui. C'était à la fin des années 1990. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter aujourd'hui comment vit la jeunesse à Belgrade ? Bon, aujourd'hui, on vit sans conflit, logiquement, mais ouais. Je pense que ça a laissé une très grande trace sur... comme chaque conflit, forcément, ça laisse une trace sur les gens, sur leur perception, sur leur perspective sur la vie. Mmh. Mais je pense que c'est assez visible, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose aujourd'hui. Je trouve que ça apporte une certaine conscience que peut-être d'autres pays et d'autres élèves ne l'ont pas. Et que la paix, c'est toujours fragile aussi, peut-être. Karim Kattan, dans votre livre, vous racontez trois histoires d'amour autour de la Palestine d'aujourd'hui, de ses légendes, mais aussi de son futur. Ça s'appelle « Préliminaire pour un verger futur ». Trois histoires d'amour, trois personnages donc, mais on voyage, Gaza, on part aussi à Bombay notamment, en Chine aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir de l'intime pour, au fond, raconter votre terre natale ? Parce que c'est assez rare, en fait, au final, c'est quelque chose qui manque souvent dans le discours sur la Palestine. On parle beaucoup de la Palestine de façon très large, comme ça, comme un mot. Moi, il me semblait important aussi de parler de l'intime, en fait, de ce qu'est le vécu hors de Palestine et en Palestine. C'était ça. D'où vous est venu ce goût de l'écriture au lycée français de Jérusalem ? Oui, entre autres.
Oui, vraiment. On a eu des profs exceptionnels qui m'ont poussé vers l'écriture. On vous avait reçu dans Maghreb Orient Express il y a quelques temps. C'était pour parler de ce qu'on appelle les financements participatifs, en anglais le crowdfunding. Pour vous, c'est un rêve qui se réalise de publier un premier livre. Oui. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de le faire avec les éditions Elisade qui ont été extraordinaires, en fait, d'accepter de publier un recueil de nouvelles. Mmh. Inès Yanichievitch, vos projets, donc vous étudiez le droit, quels sont vos projets à terme ? À terme, pour finir déjà ma troisième année, puis je vais commencer un master, je vais à Paris toujours, et après je compte passer mon barreau et je compte rester en France au moins dans le futur proche. Voilà. Et l'écriture, pour vous comme Karim Khatan, pas encore ? L'écriture, j'ai fait une section littéraire d'ailleurs au lycée. Voilà, vous avez les armes. C'est vrai, bon, pas forcément comme vous, mais c'est vrai, moi j'adore la littérature, d'où le fait que j'ai choisi la section, mais bon, je pense pas que je vais devenir une écrivaine comme vous, mais voilà. Quelle est la langue étrangère la plus parlée aujourd'hui en Serbie ? Est-ce le français, est-ce l'anglais ? C'est l'anglais quand même, oui, mais c'est l'anglais, mais... On a aussi une présence française assez forte, je trouve, à Belgrade, oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a incité à aller... On imagine que vous n'avez pas pris la décision seule à l'époque. Vos parents ont dû quand même vous inciter à vous inscrire, mais pourquoi ce choix ? Techniquement, c'était mon choix. Ouais. Mais je pense que j'étais influencée par ma mère qui a, depuis notre jeune âge, moi et mon frère, elle parlait beaucoup de la France, elle était vraiment pro-française, disons. Et mon frère aussi, il a fait un lycée français. Et je pense que ça a dû m'influencer, c'est pour ça que j'ai demandé, parce que j'étais dans un collège serbe, et c'est pour ça que je pense que j'ai demandé de passer dans une école française. Et Karim Khatan, la paix au Proche-Orient, notamment entre Israéliens et Palestiniens, vous y croyez ? Non. Non, pas en l'état aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en attendant, selon vous ? Est-ce qu'il faut tisser des passerelles, notamment dans le monde culturel, écrire des livres, faire des films? Difficile de parler de passerelles quand il s'agit d'une occupation. Je pense que quelqu'un, alors laquelle des sociétés civiles, quelqu'un devrait faire une révolution. Mais des passerelles, c'est impossible en l'état aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup, Karim Khatan, d'être venu sur notre plateau préliminaire pour un verger futur. Verger, sans doute, l'enracinement, l'attache à la terre et notamment aux oliviers. C'est aux éditions Elisade. Merci à vous, Inès Yanichievitch. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.